53 jeunes apprenants au centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse de Tibati sont prêts à affronter la phase de soutenance de leurs travaux de fin de formation. Nous sommes en train de faire une pré-soutenance. Donc, ça va nous permettre de prendre connaissance de ce qui nous attend sur le terrain prochainement. Ils disent d'ailleurs avoir reçu toutes les astuces leur permettant d'affronter sereinement cette épreuve. Et juste pour qu'un jour, nous-mêmes, nous puissions nous insérer dans le monde professionnel. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne la pratique des soins. La présentation de leur rapport de stage en fin de semaine dernière dans la salle de réunion a permis de juger le niveau de maîtrise de leur sujet. La présentation des rapports de stage d'imprégnation où les adhérents, les étudiants du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Tibati ont été envoyés sur le terrain pour aller observer et acquérir des connaissances sur le domaine d'activité qu'ils vont mener demain. Donc aujourd'hui, il est question de présenter ce rapport et d'une manière scientifique et beaucoup plus des échanges. Le directeur du CMPJ de Tibati en appelle d'ailleurs les autres jeunes à saisir l'opportunité offerte par l'État. Je lance un coup d'appel à d'autres jeunes qui sont encore au niveau du quartier, que le Centre multifonctionnel de promotion des jeunes est une structure adéquate, idéale pour eux, pour qu'ils viennent se faire former dans les différents métiers. La phase de test étant achevée, reste maintenant à préparer l'instant fatidique de soutenance vers fin octobre.